Et voilà, bonjour à tous et à toutes, c'est Battlefield Hero. Et voilà, on se retrouve pour le let's play habituel, hein. Donc il y a même un peu plus de temps à venir. J'ai normalement réussi à corriger certains bugs dans Fraps. Enfin, j'ai pas vraiment corrigé, hein. C'est surtout que j'ai désinstallé, réinstallé, hein. Et on va voir ce que ça donne. J'ai des chutes de FPS, ça commence super bien. Sérieusement, alors ici déjà quelques nouveautés, hein, parce que j'avais tourné quelques épisodes avant et ça laguait. Alors soit ici, donc j'avais construit une je sais pas si elle était déjà, il faut que je revoie. J'avais construit une enclume, j'ai fait quelques bibliothèques, je me suis enchanté une putain de pioche niveau 30. D'ailleurs j'ai commencé un peu à l'user là, en utilisant, en normalement faisant l'usine à Slim que j'avais prévu. Bon, je l'ai laissé un peu en pause pour l'instant, parce que là pour l'instant il n'y a rien d'intéressant. J'ai creusé là où il y avait les chunks, hein, vous pouvez le voir en haut à gauche, en haut à droite pardon. Sur la minimap, les carrés rouges, c'est les chunks à Slim. Et bah cette fois-ci, bah on se retrouve à tout de suite. Je vais vous présenter quelques choses sympas. Et voilà, on se Donc retrouve à tout en à l'heure. créa pour vous montrer un petit système que j'ai trouvé d'un youtubeur très connu, Dismancraft. Enfin, très connu, pas aussi connu qu'Hypier, mais en tout cas, il est assez connu. C'est une fournaise automatique. Il est basé sur ce principe-là. Et j'ai trouvé ce principe vraiment très très avantageux. Et surtout très simple à faire et très compact. Bah, j'avais vraiment bien aimé son idée. Plutôt que faire une grosse usine avec 4-5 fours comme Hyper a fait, hein, c'est très bien ça le problème, parce que enfin, honnêtement je vois pas trop l'utilité, hein. On met ses ingrédients, mais à quoi ça sert de que ça soit trié? Voilà, bon. Chacun il donne son avis. En tout cas je trouve quand même que Hyper, sa fournaise là, elle est très très bien. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas trop de différence à ce qu'on cuisait un aliment dans un four. Et pour moi, une différence, il faut qu'elle soit très comment dire, très surprenante, on peut dire ça comme ça. Donc là, en fait, cette fournaise, et c'est ça le principal atout, elle a pour but de multiplier par le nombre de fours que vous avez dans cette fournaise-là, parce qu'on peut rallonger encore la fournaise, le temps de cuisson des aliments. Donc je m'explique. On va d'ailleurs faire un test. Attendez, je vais se prendre ça alors, voilà. Côtelette de porc. Je mets 64 côtelettes de porc dans un four. Ici, je vais mettre donc 64 côtelettes de porc dans la fournaise. Et là, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le bouton pour lancer le minecart. J'appuie le bouton pour lancer le minecart à charbon. Donc là, j'attends un peu. Donc on peut voir ici au fond que les fournaises se mettent en marche. Le coffre est toujours vide. Ici, on a atteint 2 côtelettes. Donc, vous allez voir. Et là, vous voyez à la vitesse à laquelle les côtelettes augmentent. Le temps de cuisson est même pas... c'est vraiment rien, hein, comparé aux autres. Donc là, par exemple, on a la troisième côtelette. On regarde dans le coffre, on est déjà à la moitié du stack. Donc, vous voyez, ça augmente limite par seconde. Et à la fin, en général, ça a tendance à accélérer. Donc, à partir de 40, voilà. 56, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, etc. Et c'est ça en fait le gros avantage. Et à mon avis, j'ai l'un d'autres. Voilà, en quelques secondes, on a eu nos stacks cuits. Alors que là, on n'est même pas à la cinquième côtelette. Et c'est ça le gros avantage de cette fournaise. Donc là, on a les coffres qui sont revenus. D'ailleurs, ce coffre à charbon n'est pas encore revenu. Il n'a pas eu le temps de remplir tous les... Enfin, moi, là, il est vide, je crois. Oui, il est vide. Donc là, hop, il va se ranger à la réserve. Voilà, et chaque four, enfin, chaque four... Il est à peu près la même quantité de charbon, hein. 36, là c'est normal parce que le coffre pour revenir il repasse une dernière fois ici. Quand il vide ses derniers charbons. Donc c'est pour ça que dans la colonne de droite on a plus que dans la colonne de gauche. Mais ça varie à peu près à une dizaine de charbons, hein. Mais honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais vous vite fait vous expliquer. Les hoppers, donc qui sont orientés ici, servent pour le rayon aliments. Donc on va envoyer nos aliments, donc toutes nos côtelettes. Et chaque côtelette va être mise dans un seul four. Ça, c'est très important. Donc il va y avoir une côtelette par four. Et comme il y a 60 fours ici, on n'a pas l'impression, hein, donc 30 et 30 de chaque côté, il y a 60 fours, ça va multiplier par 60 la vitesse du cuisson. Donc je parle par là que si on a une côtelette dans chaque four, on pourra récolter 60 côtelettes en une fois, le temps d'une cuisson d'un aliment. C'est-à-dire comme chaque four ira à peu près à la même vitesse de cuisson, tous nos steaks vont venir à la chaîne comme ça, et c'est comme ça qu'on obtient très vite un stack. Donc je vais voir où l'introduire dans le display, vous voyez c'est même pas encore fini de cuire. Bon, on se retrouve à tout de suite dans la map. Voilà, donc je prépare un peu le terrain, je me fais... Oups, ça a quelques rails. Oups, comment déjà les rails?
Non, c'est même plus. Ah non, c'est l'inverse. C'est plus coûteux en fer qu'en bâton. Je parie. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit. Bon, c'est pour 16 rails, donc ça va aller. À savoir qu'on va faire 30 fois 16, 16, 32, donc on va faire 32, donc 4. Voilà. 4. Voilà, donc ça. Ah bah, speed un stack. Ici, donc ça c'est pour 30 fours. Le retour. Ouais, donc je me prépare tous les rails et à tout de suite. Et voilà, on se retrouve hors de la maison. J'ai tout sur moi, l'inventaire, etc. Bah écoutez, bon, qu'on se retrouve dehors. C'est pas bon parce que j'ai envie de. C'est quoi ce truc? Enfin, j'ai envie de kill un peu de vache parce que j'en ai un peu ras le bol de manger du pain et de l'eau. Hein. Alors, creeper. Ah! Hein, peut-être pas. Voilà. S'abuser les radins, ils me donnent rien à s'abuser. Franchement, je me demande si j'ai pas un problème avec cette version là, parce que ça déconne à mourir. Savoir que je suis pas en snapshot, hein, je suis bien en version stable. Wow, oups, j'ai pas vu. Ah. Alors, hop, wow, qu'est-ce que c'est ça? Ah, oh, punaise d'araignée. Putain, wow. Je vois de moins en moins les saloperies de bestioles. Oh, il y en a encore qui me poursuivent. J'ai pas envie de les laisser la vie. Le troupeau, il est où? Il est là. Le troupeau, il est où? J'ai pas énormément. Je les avais tués il y a pas longtemps en plus. Non, l'épisode que vous aurez que vous avez pas vu, il y en a encore un qui me poursuit. Il faut que j'éclaire absolument plus. Hein. Et dans certains épisodes, je pense que je vais faire de la déco extérieure. J'ai appelé ça style jardinage. Ouais, j'en tuais quelques-unes, pas beaucoup. Voilà. J'en tuais, allez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'en tue 2. Voilà. La prochaine fois, je ferai plus de réserves. Une araignée là? Non. Oui. D'ailleurs, merde, j'ai oublié de reposer le bois, le con. Enfin. Voilà, au pire. Un bloc de bois perdu, c'est pas la mort. Eh ben, genre, on se redirige, on se redirige par la maison pour exactement, construire cette fournaise. Donc, je vais commencer à entailler un peu le mur. Je vais le faire au sous-sol. Parce que à l'extérieur ça prendrait 3 tonnes de place. Je veux quand même, je veux absolument refaire exactement comme en créatif, 60 fours et pas un de moins. Parce que sinon ça cuit pas un stack aussi vite que dans la version 1. Hop, j'ai l'entremise, c'est chez moi. Il est collu. Donc un jour ou un autre, je ferai d'ailleurs ça pour me servir ça. Je descends de la bouffe, ce que j'ai récupéré en bas. Et je trierai une prochaine fois. Ça aussi. Et ça avec, et ça avec. Voilà, bon, ça met du temps à trier, mais bon. Censé c'est que ça arrive quand même à destination. Et bah j'ai envie de vous dire à tout de suite quand j'aurai creusé la salle. Wow, c'est pas parce que je vous ai tué là tout à l'heure là parce que. Ah voilà, je vais pas m'en sortir enfin. Non, c'est parce que je suis parti gagner d'XP un peu. En attendant, je me suis fait aussi des minecart coffres là. Je suis parti un peu chercher d'XP là. J'ai tué comme d'habitude les saloperies là qui étaient là-haut. Bah écoutez, ça m'a mis du temps avant d'arriver au niveau 30, donc j'espère que je vais avoir un putain de bon enchantement. Je sais pas sur quel objet encore je vais le faire, j'hésite entre l'épée quand même, parce que l'épée... Franchement, je sais pas. On va en acheter une autre pioche, mais ce qui me fait chier, c'est que celle-là, elle a skill touch. Et skill touch, j'ai pas envie de les utiliser, quoi. Ça c'est... J'ai envie qu'elle soit préservée, j'ai envie de dire. Bah écoutez, je me fais quand même une pioche en diamant, bah on se retrouve. On se retrouve. Wow. Voilà, donc là il faut se préparer à laguer. Oh. Attention, ça va laguer. Oula. Des caprices. Bon, ça c'est. Je me demande en fait si je vais continuer à passer par ce passage. Je me demande si bah tiens, le jour se lève en plus. Si je vais pas créer un autre passage quelque part d'autre, parce que là, c'est vraiment chiant, ça charge à chaque fois les chunks là. D'ailleurs maintenant je lag tout le temps, fais chier. Non, ça va, là, ça va. Bon, bah, l'heure de vérité est arrivée. Ah, j'espère juste que c'est un bon enchantement, putain. Notre skill touch, bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même, j'ai envie de dire. Une bulking 3 et skill touch 1. Bon, comme ça, j'en ai une deuxième, alors c'est pas mal. Ouais, je me demande si j'aurais pas fait finalement de l'enchantement. Ouais, je vais la poser dans le rayon des armes qui se trouve à côté en plus une breaking 3. Le soldat
Unblocking 4, fortune 1, et jusqu'à c'était 5 qui est skill touch. Hein. Ouais, donc celle-là, ça va vraiment être uniquement pour le skill touch, hein, celle-là, bon, voilà. Bref, à tout de suite. Voilà, donc en gros, ça va être un petit truc comme ça. Ah oui, j'ai pris de la cobble dans le coffre parce que vu que ma pioche est skill touch. Pourquoi? Parce que tout simplement les boutons ils se voient mieux. Ah, j'arrive pas à la choper. Ah si si. Malheureusement ça lag. Ça lag un peu, ça me fait chier. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là on va creuser donc un bloc. Normalement on ne va pas y avoir d'interaction, c'est bon. Ici on va creuser notre premier high booster. De toute façon il n'y avait pas besoin d'autant, hein, mais c'est juste histoire de être sûr. Alors, tac. Et juste en dessous, on va juste péter ici les blocs. On va poser en fait deux boutons, donc un là et un là. Donc ces deux boutons en fait serviront à envoyer le minecart coffre pour aller recharger les fours. Et donc là, je vais commencer ma lignée de fours. Je vous explique un peu tout ça après. À tout de suite. Voilà, les hoopers ont toujours été aussi chiants à placer. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai placé tous mes fours. Donc je place les hoopers en dessous. Donc vous allez voir la petite salle que j'ai faite. Hein. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Je sors. Tac tac. Donc ici on a la salle donc des fours. Donc 15 fours de chaque côté. Donc j'ai mis placer le looper dessus. Donc on placera les rails après. Hein. Donc, il faudra que j'agrandisse la hauteur de la salle aussi. Et donc j'ai mis ces blocs là pour m'aider tout simplement à placer les hoopers. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc ce que j'ai fait. Concrètement. Hop. J'ai placé donc des blocs ici. Tac. Je me place en dessous des fours. Je creuse la deuxième colonne pour placer après les hoopers, tout simplement. Hein. Ça c'est rien de bien méchant. D'ailleurs, en parlant aussi de vidéo, honnêtement, la prochaine vidéo surtout. Hein. Ça va être non pas du let's play à chaque fois comme je dis presque limite à chaque vidéo maintenant. D'ailleurs, je me demande si est-ce que c'est le, ouais, c'est celui-là, c'est bon. Ça va être une présentation en fait, encore un gros projet, mais cette fois-ci que j'ai réalisé en multijoueur avec un ami à moi. Donc, j'ai dû mettre le lien sur, oups, j'ai plus de Looper, tiens, je vais mettre le lien sur sa chaîne, là, de sa chaîne YouTube sur la mienne. Donc, il n'est pas très connu encore, hein, bon. Voilà, de toute façon c'est juste pour être entre potes, c'est pas pour dans le but de se faire connaître. Hop. Et on a réalisé un de ces gros projets ensemble, donc il m'a aidé à faire les circuits et tout. Et bah honnêtement, ça m'a pris, on a pris énormément de temps à faire ce truc, un truc qui ne servira presque à rien limite, mais franchement qui est très très sympa. Voilà, donc de toute façon vous verrez bien la prochaine vidéo qui va suivre hein, sur ma chaîne si vous regardez. Alors, hop, de toute façon si vous regardez cette vidéo là, enfin cette vidéo aujourd'hui, donc on est non, dimanche 21 avril, donc ça veut dire que j'ai bien réussi la publication. donc voilà, donc j'installe les rails, j'installe tout, et on se retrouve à tout de suite. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer quelque chose donc peu de gens savent parce que tout le monde dit qu'on peut pas détecter au fait avec des comparateurs, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a dans un minecart coffre donc avec des comparateurs hein, donc. Hop. Donc si vous connaissez cette astuce, c'est pas la peine de regarder hein. Mais alors si on met un comparateur ici et qu'on met des objets dedans, vous voyez que ça ne détecte pas. En revanche, donc là, je trouve pas pourquoi. Je dirais pourquoi Mojang a fait ça. Franchement, il y a aucune merde. Putain, j'ai déjà. Bon, enfin, ouais. J'ai l'inventeur full. Pourquoi Mojang a décidé ça? J'en ai vraiment aucune idée. Leur décision de leur part. Si le minecart, en revanche, bon, j'ai pas envie de le répéter, mais s'il est sur une plaque de pression, qui a un comparateur à côté, là, en revanche, ça détecte quand il y a des objets. Donc, comment va-t-on faire pour que le minecart revienne? Et partent, c'est-à-dire que s'il y a encore du charbon, il doit repartir tant qu'il n'a pas rempli tous les coffres. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est très simple. On va mettre un petit comparateur ici. Hop, 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 hop. Et voilà, on relie. Donc c'est vraiment très très simple. Dès que le minecart, donc dès que ça va détecter qu'il y a que le minecart est plein, ça va réactiver ce rail booster. Donc hop, qui va réenclencher le minecart, etc., etc. Et ça passera
surtout les fours, et je fais donc la même chose de l'autre côté. On se retrouve à tout de suite. Voilà, on se retrouve, donc j'ai tout fini. Oui, ah non. Ah, le gros fail, d'ailleurs ça chute de FPS comme par hasard, pas de chance. Bon, d'ailleurs comment je vais pouvoir alimenter ce ray booster, parce que là sinon j'ai bloqué le hooper ici qui est là. Le seul truc à faire, je pense, ça serait faire ça. Donc j'ai utilisé le levier, voilà, comme ceci tout simplement. Donc j'ai refait le même système ici, d'ailleurs que je me suis rendu compte en creusant, là vous voyez que ça atteint la salle des coffres, donc on a vraiment pas beaucoup d'espace, je pensais qu'on en aurait eu plus. Bah malheureusement non, donc je fais 4 d'espace entre mes constructions. Donc soit l'essentiel c'est que le chemin minecart est fait, est tracé, tout est bon. Donc voilà, donc comment tout simplement vérifier ça, je vais appuyer, donc le minecart vu qu'il n'y a rien dedans, il va faire un tour, il va se stopper. Hein. Donc là voilà, il arrive, tung, il repart, en guigarne une vitesse constante. Il arrive à la fin, poup, poup, ça détecte rien, donc ça active rien, donc ça reste. Même chose de l'autre côté, donc j'active. Pouf, ça part, donc ça part cette fois-ci dans la deuxième boucle. Ah, pardon, qui est derrière, pour alimenter les aliments. Pour donner les aliments, pardon. Hop, ça détecte rien, ça revient, et ça repart. Ouais. Voilà, tout simplement, tout simplement. Donc la déco, bah je vais la faire, donc on se retrouve à tout de suite. Et voilà, donc la salle est terminée, donc manque plus qu'à si j'arrive, oh, si j'arrive à trouver ce qu'il faut. Bon, allez, on va changer un peu la machine. D'ailleurs il faut que j'aille en récolter du charbon, l'or, ça m'a tout vidé les ray boosters là, et j'ai plus beaucoup de fer non plus, hein. Mine de ressources j'ai pas beaucoup, il faut que j'aille repartir miner. Et pour le reste, qu'est-ce que je vais mettre comme... Là, ici, c'est très bien, c'est une petite... Ah, côtelette de porc. Ah non, en plus. Mon frère qui ça peut faire un peu. Voilà. Donc voilà la déco. En plus, sérieusement, voici la déco. Donc, j'espère qu'elle vous plaît. Donc, ah oui, c'est vrai, d'ailleurs, les laines, j'ai oublié de vous le dire. Dans les épisodes qui venaient, parce que j'avais commencé à construire l'usine à Slim. Hein. Mais vu que c'est un gros projet pour l'instant, je le mets un peu en pause, sinon ça va me saouler. J'avais récolté un peu de laine, hein, donc j'en ai profité. J'avais quoi? Allez, une cinquantaine de laine. Bon, il y en a une dizaine, quinzaine qui est partie là. Et j'avais absolument envie de voir les fours s'allumer comme ça. J'avais trop envie. Alors maintenant, on reste à placer la petite touche finale. Donc, hop, on va placer deux item frames juste ici. On va placer... merde, d'ailleurs, je sais même plus lequel charbon, lequel est la boue. Ah, fuck. Attendez. Vu que celui-là, il part au-dessus, devrait être le charbon. Normalement, ah, celui-là, c'est le charbon. Celui-là, c'est la bouffe. Donc, hop. Je place deux stacks, parce que c'est deux stacks pour alimenter les fours. Et on va vite faire quelque chose. Bon, avec... avec deux... ça va le faire. Tiens, je vais prendre du sable par exemple. Quelque chose pour faire du verre, voilà, hop. D'ailleurs, l'usine à vache, il faudra que... Bah, soit en fait... Parce que ça me fait vraiment chier de la détruire, hein, parce que elle fonctionne pas. Je me suis rendu compte qu'elle fonctionnait pas. Ça récolte... Bon, vraiment... Pff, vraiment, vas-y, à deux steaks par reproduction, c'est vraiment nul. Il faut vraiment attendre que Mojang fixe... D'ailleurs, on va encore la cobble, donc ça fait rien. Qu'il fixe le problème sur le glitch des animaux. J'espère qu'il va le faire vite fait, parce que bon, je la laisse un peu en pause. En attendant, j'ai le petit troupeau de vaches qui est là-haut, hein, ça me sert pour l'instant de bouffe. Mais j'ai vraiment pas envie de la refaire, surtout que ça, j'en ai mis 3 ans à mettre des animaux là-dedans, là, donc j'ai vraiment pas envie de la refaire. Donc soit on n'est pas venu parler d'ici. Voilà, donc le mini-four, vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 4 de large. Ici aussi ça fait 1, 2, 3, 4, et là ça fait 5. Hein, bon. Je vais pas respecter pour l'usine à vache, mais bon. Au pire, le truc que je pourrais faire, c'est rapprocher les poteaux. D'ailleurs, je vais le faire maintenant, tiens. Ça, sinon j'ai oublié. Par contre, j'avais pas pensé à ça. J'ai ça ce qu'il me faut. Voilà, en attendant, je rebouche avec de la stone. Voilà, histoire que quand même. Ah, je mets du sable, ça va le faire. Tac. On va remettre. Comme c'était, hop, 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 et voilà. Donc là, on a nos quatre, c'est respecté. Hein. Les quatre sont respectés. Donc là, il faut que je fasse encore le plafond. Bon, soit. Je vais éviter de parler de rien et on va tester la machine à l'instant. Donc là, bien sûr, je dois avoir des trucs à mon avis. Ouais,
J'ai encore quelques trucs qui restent, que je me fais tomber lors de la construction. Bah j'ai envie de dire, je ne sais pas comment dire, on va placer le sable, bah j'ai envie de dire, c'est parti. Allez go, on appuie, et on appuie, et on va voir les fours s'allumer normalement. What? What the fuck? Ok, à tout de suite. Toujours penser à vider les fours avant de lancer la machine. Donc voilà l'explication, je voulais vider les fours. Donc il y a plein de merde qui s'est mis. Donc tous les colles, etc. se sont mis là-dedans. Par contre, quelque chose que je n'arrive pas à expliquer, où sont passés les... Le sable. Où est passé le sable? Là par contre, à moins qu'il soit direct. Non. Où est passé le sable? Oh putain. What is the fuck? Ouais, donc à tout de suite. Attends aussi si on se gourre de côté, ça va pas le faire. Oh là là, quelle boulette. J'ai tout inversé en plus. Oh, ça va vraiment pas le faire. Le charbon, c'est la mouise. Oh putain. Mon charbon est en place, il reste plus qu'à... D'ailleurs, le système de récupération de charbon et d'aliments, ça ne fonctionne pas. Ce qui m'énerve un peu. Vous voyez qu'il y a deux sables par truc. Bon, le répartissage fonctionne bien. Voilà, donc c'est vraiment chiant ça par contre. Donc je répète hein, pour pas que vous fassiez l'erreur. Ceux du côté, donc c'est le charbon, et ceux d'en haut, c'est l'aliment. Moi, autant pour moi, je pensais que les aliments rentraient du côté et que le charbon rentrait en haut. Et ben non, visiblement non. Je me suis gouré comme un gros bou. Con, on peut dire ça comme ça. J'ai regardé dans ma map créative comment on l'avait fait, et j'avais fait à l'inverse, donc. Comme quoi ça arrive de faire des boulettes. Bon, c'est pas grave grave, mais. Comment ça se fait qu'ils sont... Ah mais non, j'ai rien dit parce qu'il ne faut pas rentrer, c'est vrai, je suis con. J'ai rien dit, ils sont pas bloqués, c'est juste qu'ils peuvent pas rentrer. Donc, il n'y a plus qu'à tout replacer, le rail, les rails, le rail. Ça, comme ça, ici, il y avait deux rails booster. C'est fait comme ça, voilà. Et, bon, le charbon sont placés, par contre, ce qui me bouche un coin, c'est... Le fait que ça n'a pas été détecté. Et je pense avoir une petite explication. Voilà. Je m'en doutais. Il faudrait... Oh putain, il faudra un répéteur, là, j'ai la flemme. Bon, à tout de suite. Bon, on va retester le système pour voir si ça fonctionne bien. Ah, d'ailleurs, ici, c'est les aliments, bon. Ah, fuck, 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 fuck. Non, non, surtout pas, surtout pas. Merde. What? Alors là, j'ai pas d'explication possible. Pourquoi? Oh non, me dis pas que... Oh non, sérieusement. Bon, ok. Calme-toi. Ok, bon, alors, je fais pas mal de coupures pour rien montrer en fait. Hop, excusez-moi, minimap. Oh le con. Ça s'appelle vraiment la boulette de la vie, ça, punaise. Bon, ça, punaise, comment c'est que... Non, ça va, c'est moi qui fais des conneries en plus. Ah là 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 là. Bon, inutile de vous dire la phrase que je vais répéter au moins 3 fois suite. Je me demande si je vais pas d'ailleurs enlever certaines coupures, hein, parce que c'est complètement inutile. Hein. À tout de suite. Ah, enfin. Alors, c'est inversé, donc le charbon est là. Deux stacks et les côtes de porc donc en revanche le sable est ici d'ailleurs je vais tout de suite inverser et voilà donc pas que je fasse la même connerie donc je mets attendez les aliments ça c'est le hop ah j'arrive pas à cliquer voilà le charbon et d'ailleurs ma côte de porc elle est là non non. Ah merde. Bon, on va rechercher une. Ah bah elle est là, je suis con. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, notre sable, là on a notre charbon. Cette fois-ci, c'est parti. J'appuie, j'appuie. Alors, par pitié que ça fonctionne. Yeah! Oh yeah!
Voilà, et vous voyez qu'il est reparti parce qu'il n'a pas été totalement vide. Ce côté-là fonctionne bien. Ça fonctionne bien, par contre ce côté-là ne fonctionne pas. Bon, soit, l'essentiel c'est que ça arrive 41. Oula, 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 magnifique. Oh, c'est beau, oh, c'est beau. Bon, là, les derniers sont un peu plus lents, c'est normal, parce qu'on a 60 fours. Voilà, 64 verres en l'espace de quelques secondes. C'est magnifique. J'ai envie de vous dire, c'est magnifique. Donc, voilà. Je rectifierai le problème d'arrivée de charbon dans le prochain épisode. Wow, ça lag. En tout cas, j'espère que cet épisode de Let's Play vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À tout de suite, et sur ce, à la prochaine vidéo.